Jean-Louis Levet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un économiste, mais vous avez, en dehors de plusieurs casquettes, vous avez occupé le poste de haut représentant, haut responsable à la coopération technologique et industrielle franco-algérienne de mai 2023, 2013 à 2020, 2019. Qu'est-ce qui explique, vous venez de rédiger Le Mal algérien, un livre coécrit avec Paul Tolila. D'abord, comment interpréter la sortie de ce livre? Est-ce que c'est une sorte de spéléologie des profondeurs de cette relation France-Algérie? Et quand on voit tant de littérature, qu'est-ce qui différencie votre expérience des autres? Écoutez, effectivement, j'étais missionné à l'époque, c'était par François Hollande. François Hollande et Abdelaziz Bouteflika avaient signé en décembre 2012, lors de la visite du président Hollande à Alger, une déclaration d'amitié, de coopération. Et dans le cadre de cette déclaration, bien, il fallait nommer un monsieur ou une madame Algérie côté français et un monsieur ou une madame côté algérien pour que nous puissions très concrètement, à partir des besoins, des attentes, des compétences des uns et des autres, déterminer des priorités et monter des projets de partenariat. Donc c'était une démarche assez originale puisqu'il s'agissait de passer, je dirais, d'une logique historique simplement d'import-export. La France exporte du blé, des voitures, des équipements mécaniques, l'Algérie exporte en France du pétrole, du gaz, à vraiment une logique de coopération, de construction de projets entre universités, entreprises, ouais. Territoires. Donc c'est cette démarche-là, au plus près du terrain, si vous voulez, que nous avons initié pendant mes 5 ans et demi de mission, avec une lettre de mission qui s'est renouvelée à 3 reprises, y compris évidemment lorsqu'Emmanuel Macron a été le président de 2007. J'ai dû réaliser un peu plus de 120 missions à travers les différents territoires algériens et quelques dizaines aussi en France. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend les attentes, les besoins, les compétences de nos amis algériens, ben, quels sont les opérateurs français que nous pouvons faire venir pour monter ensemble des projets. Parfois, ces projets nous ont demandé plusieurs mois, voire 1 an, 2 ans de travail. Et nous avions chaque année ce qu'on appelle un comité mixte économique franco-algérien, qui était présidé par les différents ministres concernés de l'économie, pour qu'on puisse justement débattre de ces projets et les valider. Donc, c'était 5 ans d'expérience sur le terrain. Et en fait, notre objectif, c'était, à travers notre expérience de terrain, et c'est peut-être cela qui nous différencie peut-être d'une littérature, effectivement, vous avez raison de le dire, abondant. Il ne s'agit pas pour nous de faire le énième livre sur l'Algérie, ça n'aurait aucun intérêt, mais c'est de dire voilà ce que nous avons vécu sur le terrain avec tous les Algériennes et les Algériens que nous avons rencontrés en montant ces projets, du nord au sud, d'est en ouest, et aussi évidemment avec les autorités algériennes. Donc nous avons essayé, au cours de ces 3 dernières années, d'écrire ce livre pendant cette période de 3 ans, tout en ayant nos fonctions professionnelles à côté, pour essayer de dire voilà ce que nous avons compris d'une part de la nature du pouvoir algérien, et voilà ce que nous avons compris de nos relations avec les Algériens, avec d'un côté un pouvoir algérien que les Algériens connaissent très bien, bien entendu, que nous essayons de remettre en perspective, mais notre objectif c'est d'abord de parler de l'Algérie au présent, pour dire aux Français voilà ce que nous avons compris de l'Algérie aujourd'hui, là où malheureusement le peu de Français qui connaissent un peu l'Algérie, c'est essentiellement sur la guerre d'Algérie, sur la colonisation. Donc essayons de comprendre ce qui se passe au présent, avec une remise bien sûr en perspective, pour essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble demain. Voilà, donc notre livre s'inscrit vraiment dans le présent, en essayant de donner un certain nombre de clés de compréhension à travers notre démarche de terrain, avec des analyses et aussi avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples. Nous essayons de montrer à travers ces exemples ce qu'est notre compréhension de l'Algérie. On va y revenir. Ce qui est important, c'est votre expertise pour d'abord nous aider à comprendre comment le système algérien fonctionne. C'est-à-dire que, quels sont les pôles du pouvoir et comment s'élabore la doctrine, la réflexion et l'action. Alors, là encore, dans ce livre, on n'a pas vocation, si vous voulez, à expliquer comment s'organise le pouvoir. Il y a des politologues, des sociologues, des économistes algériens sur lesquels nous nous reposons d'ailleurs. Non, mais je demande votre expertise. Ce qu'on essaie de voir, c'est comment nous l'avons vécu. Alors, nous l'avons vécu essentiellement à travers nos missions de terrain
Sur le terrain, nous avons rencontré de nombreux chefs d'entreprise, des clubs d'entreprise, des professeurs d'université, des étudiants aussi. On est beaucoup intervenu aussi dans les universités où il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes hommes qui travaillent. Et donc, la plupart ont cette volonté d'avancer et de créer. Et ce qui nous a surpris par rapport, je dirais, à cette volonté de créer, d'avancer, de s'instruire, notamment les femmes d'ailleurs, hein, que nous avons toujours trouvées dans les premières de promotion, très allant, vraiment très, très courageuses et soucieuses de leur émancipation, comme dans beaucoup de pays du monde. Et puis, ce relatif immobilisme, finalement, du système politico-administratif, de cette gouvernance politico-administrative que nous avons trouvée, encore une fois, tout ce que je dis là, on n'apprend rien aux Algériens, puisqu'ils le vivent au quotidien. Encore une fois, c'est pour essayer de dire aux Français, voilà comment nous l'avons vécu. Et ce pouvoir, effectivement, on l'a vécu d'une façon hyper centralisée et en fait très bureaucratique. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a beaucoup d'opacité, on a du mal à comprendre. Je vous cite une anecdote. Ma première mission, quand j'ai été nommé en mai 2013, ça a été de... Et nous avions un premier comité mixte économique en octobre, donc il ne fallait pas perdre de temps. On n'est pas là pour parler, on était là déjà pour présenter des priorités communes et déjà des premiers exemples de projets. Et donc tout le mois de mai, grâce aussi à mon interlocuteur, auquel je rends hommage, qui était à l'époque le ministre de l'Industrie, Chérif Ramadi. On raconte d'ailleurs dans le livre comment nous nous sommes rencontrés, comment d'une certaine façon, il m'a convaincu d'accepter cette mission, qui n'allait pas de soi. Je sortais d'une autre mission totalement différente. Et finalement, on s'est rendu compte que toute cette relation... Au bout de quelques mois de travail, j'ai commencé par l'est de l'Algérie, là souvent où les Français ne vont pas, Sétif, Constantine, etc., Guelma, qui suis revenu par Béjaïa, pendant plusieurs semaines de mission, j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai visité des usines, des sites de production, j'ai rencontré des étudiants, et puis ensuite j'ai souhaité faire un point à l'initiative du ministre de l'Industrie, qui était mon correspondant, de rencontrer le premier ministre algérien de l'époque. Et je me souviens, au cours d'un entretien extrêmement affable, vraiment très, très, très sympathique, très, très courtois, je me suis permis de poser deux questions au Premier ministre, en toute simplicité. La première, monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de ministère de l'économie en Algérie, donc comment vous faites pour mettre en œuvre une politique économique? Et avec beaucoup d'humour, le Premier ministre m'a répondu, bah, écoutez, Jean-Louis, le jour où il y aura une économie en Algérie, on créera un ministère de l'économie. Bon. C'est évidemment de l'humour, mais ça veut dire qu'il y avait un très fort développement à construire de l'économie privée, j'entends pas de l'économie, évidemment, où les groupes sont essentiellement contrôlés par l'État. Oui. Et je pose une deuxième question. J'ai rencontré souvent sur le terrain des acteurs qui me parlent, des chefs d'entreprise, des start-upers, des universitaires, d'une relation avec l'administration quand même très complexe, très opaque. Et le Premier ministre a eu cette réponse aussi pleine d'humour. Ben, Jean-Louis, notre système survit précisément parce que nous produisons de l'opacité. Donc, si vous voulez, les responsables politiques algériens, avec beaucoup d'humour, sont tout à fait conscients des difficultés de leur mode de gouvernance. Oui. Voilà, et c'est un petit peu ça qu'on essaie d'expliquer, de raconter dans ce livre. Vous avez vécu le système Bouteflika et vous avez vu l'arrivée de monsieur le président Tebboune, mais est-ce qu'il y a des chances que, puisqu'il a clarifié les rouages un tout petit peu, même si, vous l'avez dit, le système reste ancré toujours là, entre militaires, services de renseignement et classe politique du moment. C'est qu'aujourd'hui, avec Tebboune, et on voit cette volonté de centraliser, certes, mais de faire bouger l'Algérie. Est-ce qu'il y a des chances que l'Algérie se mette à bouger, justement ? Écoutez, là, je ne me permettrai pas de porter de jugement. Ma mission s'est terminée en janvier 2019, quelques semaines avant l'Irak, avant le déclenchement du Irak, et qui est vraiment un mouvement de quasiment révolutionnaire, enfin, d'une demande tout simplement de dignité, d'état de droit, de justice interne, mais surtout de dignité. Enfin, tous mes correspondants algériens que j'ai rencontrés à l'époque, c'est ce qu'ils me disaient. Et nous avons tous été en France admiratifs de voir ce Irak sur un mode pacifique. C'est extrêmement important, pacifique et joyeux pendant toute la première année, avec aussi toutes les générations, avec
les hommes, puis aussi les femmes. Plusieurs de mes correspondantes me disaient effectivement le rôle de la femme dans l'Irak, c'est d'être dans la rue et pas simplement dans la cuisine. Je me souviens aussi de ce panneau dans l'Irak très explicite, où ces femmes se battent aussi pour leur émancipation. Nous aimerions qu'on entende au moins autant les femmes lorsqu'elles déclarent, lorsqu'elles parlent de viol, que lorsqu'un homme parle de voile. Donc, il s'est vraiment passé des choses très importantes pendant l'Irak. Oui. On parlait à la fois arabe, berbère, français. Voilà. Donc, il y a eu vraiment un pays, je crois, qui s'est mis en branle et qui a vu qu'il pouvait y avoir une unité. Donc, ma mission s'est arrêtée juste un petit peu avant. Ma dernière mission, c'est fin janvier, où j'ai tenu à rencontrer l'ensemble de mes interlocuteurs. Voilà, et de ne pas partir comme ça en leur tournant le dos et garder les contacts. Donc, nous n'avons pas vécu avec Paul de l'intérieur, si vous voulez, ce qui s'est passé ensuite, le contrôle de l'Irak, le Covid, la reprise en main, évidemment, par le système prétorien algérien, et puis l'Algérie nouvelle que le président Tebboune cherche à mettre en avant. Simplement, ce que l'on peut constater, alors là, par contre, pas en tant qu'acteur, mais simplement en tant qu'observateur, c'est que si on écoute les déclarations du président Tebboune, et si on regarde ses actions, on voit tout de même qu'il y a des contradictions extrêmement puissantes. Oui. Je prends juste un ou deux exemples, encore une fois comme observateur. Je crois que c'est en février 2020, le président Tebboune signe un décret qui stipulait que la date du 22 février du déclenchement du Irak était vraiment au cœur de l'Algérie nouvelle. Je cite, de créer une journée nationale de la fraternité, de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie. Ils sont des mots quand même extrêmement forts, entre le peuple et son armée. Oui. Une reconnaissance du système prétorien algérien pour la démocratie. Et quelques mois plus tard, le gouvernement algérien a imposé, comme vous le savez, de nouvelles règles pour faire des manifestations. En juin 21, il y a un nouvel amendement du code pénal qui entrave fortement l'activité politique. Enfin, bon, voilà, donc des contradictions quand même extrêmement fortes. Je me souviens encore d'avoir lu aussi dans la presse algérienne, lors de son premier conseil des ministres en décembre donc 2019, Clément Tebboune avait, je cite, appelé, ce sont les comptes rendus, les communiqués de presse, appelé son gouvernement, je cite, à consolider la liberté de la presse. Il a même été jusqu'à ériger la liberté de la presse, je cite, en principe immuable dans la nouvelle constitution. On a vu dans les mois qui ont suivi des dizaines de journalistes qui ont été en prison. Oui. Bon, donc, si vous voulez, pour le français qui n'a pas pu aller en Algérie pendant cette période, il y a quand même un décalage très sérieux entre le discours d'un côté et les actes de l'autre, ce qui est même juste un problème. Oui, vous êtes un homme pragmatique et vous l'avez dit, vous êtes aussi un homme, un amoureux de l'opérationnel. Est-ce que quand on regarde les éléments, et surtout j'ai besoin de votre mise en perspective, et surtout un travail de prospective sur un pays qui a la jeunesse, les ressources naturelles et la position géostratégique éblouissante. Comment peut-être, sur quoi s'appuyer, même s'il faut du temps pour ça, pour permettre à l'Algérie d'être en phase avec elle-même? Alors d'abord, ce qui est important, c'est le constat. Je vais revenir très vite pour répondre à votre question. Ces deux pays ont tout pour travailler, penser ensemble, agir ensemble. C'est fondamental, je vais y revenir très vite. Il faut juste remettre en perspective le problème des Algériens, et notamment évidemment des hommes algériens, parce que si on remet en perspective sur un plan strictement économique, sur ce qui s'est passé ces 40 dernières années, en gros, on va dire de la fin des années 70 à aujourd'hui, enfin, en gros, jusqu'au Irak, on voit quand même que, et encore une fois, ce n'est qu'un constat, c'est que l'Algérie est un des rares pays émergents à avoir fait exactement le chemin inverse de tous les autres pays émergents. C'est-à-dire que d'une part, l'économie informelle, ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, du FMI, qui s'est quand même considérablement développé. Les chiffres, en gros, c'est 34% du PIB en 2000, entre 50 et 70% aujourd'hui, selon les estimations, y compris d'économistes algériens. Et évidemment, dans l'économie informelle, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, ben, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de capitaux, où l'État ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il y a surtout en Algérie, dans cette économie informelle, un problème qui pénalise les entrepreneurs algériens, que j'ai rencontrés, qui sont d'excellents managers, d'excellents entrepreneurs, c'est que la contrefaçon mine l'économie algérienne. 30, suivant les douanes algériennes, ce sont des chiffres officiels, 30% des produits vendus en Algérie sont des produits contrefaits. Ça peut être des jouets, des jeux vidéo, des pompes hydrauliques, enfin que sais-je, des produits de beauté qui peuvent être dangereux d'ailleurs pour les enfants ou pour les adultes. Et 70% de ces produits contrefaits
C'est-à-dire 70% de ces 30% de produits vendus en Algérie sont d'origine chinoise. Voilà, donc c'est ça la réalité. Et donc ça veut dire qu'évidemment, il y a toute une série d'importateurs depuis des décennies, avec l'aval évidemment du système algérien, qui importe ces produits contrefaits et qui déstabilise évidemment les entrepreneurs algériens qui cherchent à développer tout simplement leur entreprise. Le deuxième point, c'est aussi la désindustrialisation de l'Algérie. Là aussi, suivant les chiffres tout simplement d'économistes algériens, je crois que c'est de l'ordre de 35% du PIB. L'industrie représentait 35% du PIB dans les années 70. On est passé sous les 5% depuis 2015. Et non seulement l'industrie ne s'est pas diversifiée, comme les gouvernements algériens l'ont dit dans leur discours depuis 3 ou 4 décennies, mais au contraire, c'est encore un peu plus centré sur l'exportation des hydrocarbures, sur les mines, et puis un peu aussi sur le traitement de l'eau, où l'État fait des investissements considérables. On prend aussi la question de l'agriculture. L'Algérie était autosuffisante à près de 80% il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle dépend de l'extérieur pour plus de 50%. Donc, on voit bien que dans ces trois domaines, économie informelle, industrie, agriculture, en fait, l'Algérie a régressé. Et donc, on peut comprendre que les Algériens, depuis des années, vivent dans un domaine social et économique qui est extrêmement difficile, et en particulier pour les jeunes. Mais... Ils trouvent des entreprises où ils peuvent trouver des emplois de qualité et pas simplement avoir des petits jobs dans l'économie informelle. Oui. Cette impression d'immobilisme n'est-il pas un peu due au traumatisme d'abord du printemps arabe et le champ de ruines qui est le Moyen-Orient et l'Algérie? On a l'impression qu'elle est obsédée par la crainte d'une balkanisation, d'un dépeçage et peut-être c'est ça qui raidit un peu le comportement, non? Écoutez, tous les pays ont affronté des difficultés et nous avons ensemble affronté des difficultés gigantesques au XXIe siècle, à commencer par le changement climatique, le changement de nos modes de développement, la raréfaction de la biodiversité. Et Dieu sait, c'est la question du changement climatique. Nous la vivons en ce moment tous les jours en France avec les questions de l'eau et évidemment nos amis algériens. Quand j'ai arpenté les hauts plateaux à l'ouest ou à l'est ou au centre autour de ces puits, en passant des journées, des longues soirées avec des amis agriculteurs, je constatais les réalités de cette question de l'eau. Donc c'est une question qui est extrêmement importante. Et ce n'est pas toujours en reportant sur les autres ou en créant des boucs émissaires qu'on affronte une réalité. Et malheureusement, comme beaucoup de systèmes prétoriens, le système algérien a tendance à produire des boucs émissaires en permanence, ça a commencé par la France d'ailleurs, mais enfin il y en a aussi d'autres. Et la question n'est pas là. La question, c'est pas de prendre des boucs émissaires en permanence parce que le peuple est parfaitement lucide. Mais comment on affronte cette réalité? Comment on crée une économie? Comment on fait en sorte que, justement, avec des partenaires comme la France, comme on a essayé de faire pendant 5 ans et demi, comment nous pouvons travailler ensemble? Et justement, pour répondre à votre question précédente, ce que je trouve formidable, à la fois en tant qu'économiste, en tant que citoyen, et en tant qu'aimant passionnément l'Algérie, sinon je n'aurais pas passé 5 ans et demi à travailler avec les amis algériens, avec une administration extrêmement pesante et immobile, ce qui ne met pas en cause d'ailleurs un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées dans la haute administration et qui sont des gens de qualité. Attention, il ne faut pas confondre ceux qui y travaillent et l'ensemble du système. Parce que les premiers à supporter le système, c'est déjà un certain nombre de hauts fonctionnaires qui essayent d'avancer, qui ont les plus grandes difficultés. Quand on regarde l'échiquier mondial des États-nations aujourd'hui, je ne vois pas d'équivalent au binôme France-Algérie. Au moins pour 3 raisons. D'abord parce que c'est tout simplement d'abord le nombre et la densité des liens humains entre les deux pays. Ce qui fait des relations entre deux pays, c'est pas des choses désincarnées, c'est pas les grands discours théâtraux de nos responsables politiques, comme c'est trop souvent le cas. C'est le fait que nous avons des liens humains. Nous savons que 6 à 7 millions de Français, donc localisés en France, habitants en France, ont des liens directs ou indirects avec l'Algérie. Et dans l'ensemble, ces liens sont extrêmement positifs. Nous avons entre 5 et 6 millions de passagers qui prennent l'avion entre les deux pays chaque année. C'est considérable en matière de littérature, de sport, d'économie. Nous avons énormément d'échanges. Tous les livres des grands écrivains algériens, vous les trouvez dans les librairies en France sans aucun problème. Nous avons aussi une langue en commun, qui est la langue du français. Et je ne peux que regretter, là aussi, en tant que Français et souhaitant que nous travaillions ensemble, que le gouvernement algérien nous donne l'impression, est-ce qu'une impression, finalement, de supprimer le français. Alors que les Algériens apprennent l'anglais à l'école, c'est une très bonne chose, c'est la langue du business.
Il n'est peut-être pas utile que l'anglais se substitue au français. C'est une façon finalement de refermer l'Algérie un peu plus sur elle-même. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Donc le premier point, d'abord, c'est qu'on a vocation à agir ensemble parce que les liens humains sont là. Et finalement, quelles que soient les décisions de nos autorités publiques, les liens humains sont là. Heureusement, c'est ça le plus important. Je vais prendre un parallèle avec la France et l'Allemagne. Je sais qu'avec l'Allemagne, on a eu quelques soucis quand même. Hein, 1870 et deux guerres mondiales. Bien. Nous sommes réconciliés, on a fait des projets formidables ensemble, Ariane, Airbus. Mais il n'y a que 100 000 Allemands qui habitent en France. Un peu moins de 100 000, essentiellement région parisienne, dans les centres techniques, dans les labos, dans les entreprises. Mmh. Il y a 1 million d'Algériens qui vivent en France. Oui. Si je rajoute les Franco-Algériens, la diaspora, les enfants de pieds noirs, de Harkis, on arrive entre 5 et 5 millions. Vous voyez, donc c'est au moins un pays dont l'Algérie est le pays dont la France est le plus proche, et la France est le pays dont l'Algérie est le plus proche. Quels que soient les discours politiques des uns et des autres, c'est une réalité. La deuxième raison, qui est extrêmement importante, alors là je plante sur un place économique, c'est que les deux pays ont des atouts complémentaires. Et ça, c'est extrêmement important. Là aussi, si je prends le parallèle France-Allemagne, France-Allemagne, nous avons des spécialisations industrielles qui sont assez concurrentes. Parce que vous avez des acteurs français et allemands aussi bien dans le domaine de l'automobile, de la chimie, de l'énergie, de l'agroalimentaire. C'est pas le cas entre la France et l'Algérie. Or, nous sommes complémentaires en plus dans les quatre grands domaines dans lesquels nous avons besoin d'aide pour affronter notre futur et donner un avenir aux jeunes. D'abord, c'est la transition énergétique et numérique. Sans transition énergétique et numérique, nous savons tous qu'il n'y a pas d'adaptation possible au changement climatique. Oui. Et là, nous avons à la fois, côté algérien, des compétences considérables en informatique, en mathématiques. Il y a également un ensoleillement très important pour l'énergie solaire. C'est 3500 heures d'ensoleillement en Algérie pour 1500 en France. Et donc, nous pourrions ensemble, avec les grands opérateurs français, que sont Engie, Total, Schneider Electric, le CEA, les pôles de compétitivité, les centres techniques, construire par exemple des centrales hybrides solaire-gaz avec des filiales algéro-françaises. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Sur le plan politique, il suffit de fixer le cap. Le deuxième grand domaine, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le domaine, bien sûr, de l'eau. Oui. Nous sommes confrontés à ce problème. L'Algérie a d'ailleurs fait des investissements colossaux dans le traitement de l'eau. Là aussi, on a des compétences complémentaires. Voilà, essayons d'y travailler ensemble. Troisième grand domaine, c'est évidemment l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Là, on le voit d'ailleurs avec la guerre que la Russie mène en Ukraine, les déstabilisations géopolitiques que cela entraîne, en tout particulier pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique, puisque l'Ukraine était un producteur de blé considérable. Là aussi, dans ce domaine, nous avons ensemble à penser l'agroécologie de demain, l'agriculture de demain, en maîtrisant l'eau, en maîtrisant la biodiversité. Et là, les paysans algériens que j'ai rencontrés ont des savoirs tacites considérables pour s'adapter au changement climatique. Puis il y a un quatrième domaine où on a évidemment vocation à travailler ensemble, et on le fait déjà sur le plan humain, c'est dans le domaine sanitaire, dans le domaine médical et dans le domaine de l'hygiène. Il y a 10 000 médecins algériens qui travaillent en France. C'est quand même un vrai problème pour le gouvernement algérien de voir des médecins algériens formés en Algérie venir travailler en France. Et c'est pas la faute de la France. Voilà. Donc nous bénéficions de ces compétences, mais là nous pourrions travailler ensemble avec des groupes comme Sanofi et comme d'autres groupes français, d'autres centres de recherche. Donc si vous voulez, ce dont on a besoin, c'est pas d'avoir un énième comité intergouvernemental ou une énième visite présidentielle de tous les côtés, qui font des grands discours et qui finissent par des communiqués de presse mettant en avant des dizaines de points communs, c'est d'avoir une boussole pour l'action. Donc voilà, on a 4-5 grands domaines où nous pouvons travailler ensemble, où nous avons des atouts complémentaires et définir un mode opératoire. Oui. Et puis enfin, pour répondre à votre question, il y a un troisième enjeu qui fait que nos deux pays ont vocation à travailler ensemble, c'est que tout simplement, nous sommes face à face et la meilleure façon, c'est d'être côte à côte pour être interface entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de l'Afrique. Alors décidons de ne pas passer aussi à côté de cet enjeu où précisément la mondialisation crée une fragmentation des alliances du monde et nous avons vocation, Afrique et Europe, à travailler ensemble. Et là, on voit bien que sur le plan géopolitique, nos deux pays ont vocation à jouer ce rôle. Pour élargir l'angle et un peu répondre à cette problématique que vous venez d'établir, c'est-à-dire que quand on regarde la région, on a un Euromède en panne, le Maghreb en panne,
des risques considérables de cette illusion d'immobilité, mais quels sont les risques, parce que c'est même très dangereux pour cette relation France-Maghreb, est-ce que vous projetez un peu dans ce contexte où on a tous les éléments presque figés? Alors, là aussi, dans notre livre avec Paul Tobillard, on a fait aussi des chapitres sur cette question-là, notamment un sur le rôle des puissances aujourd'hui en Méditerranée, enfin celles qui ne sont pas en Méditerranée, qui souhaitent être en Méditerranée, comme la Chine, mais aussi, bien sûr, les États-Unis qui sont toujours, la Turquie aussi, qui cherche à être de plus en plus présente. Et on voit bien que dans cette Méditerranée, qui est finalement une région extrêmement étroite, en fait, tous les grands défis du XXIe siècle, ils y sont. Les affrontements entre États, la guerre, la question de l'eau, des hydrocarbures, du changement climatique, tout est présent en Méditerranée. Oui. Et aujourd'hui, bien sûr, les États-Unis sont présents, la Russie cherche à être présente, évidemment, par la Méditerranée orientale, qui n'est pas forcément un très grand pays démocratique, c'est moins qu'on puisse dire. La Turquie aussi, qui cherche à reconstruire ou à fantasmer son ancien empire ottoman, mais le moins qu'on puisse dire, c'est pas non plus un grand pays démocratique. Et la plus grande puissance, en fait, qui cherche à être présente en Méditerranée, et qui est une vraie stratégie de long terme, et dont on consacre tout un chapitre, c'est la Chine. Depuis 20 ans, la Chine, progressivement, et je m'en tiendrai jusque là, parce qu'on pourrait en parler beaucoup, contrôle quasiment la plupart des ports en Méditerranée. C'est extraordinaire. En Grèce, en Turquie, en Israël, en Algérie, il y a un grand projet commun d'ailleurs de faire un très grand port qui reliera la transsaharienne et qui permettra à la Chine d'avoir accès au cœur de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, où elle est déjà largement présente, bien sûr, pour nourrir son économie en termes de mines, de minéraux. Et on sait que les conditions de travail ne sont pas les meilleures du monde et la Chine est extrêmement opportuniste sur le plan politique. Donc on voit bien que là, il y a des enjeux qui sont colossaux. C'est-à-dire qu'il est presque déjà trop tard, si j'ose dire. La Chine est déjà extrêmement présente en Méditerranée, ce qui lui permet, avec tous ses produits, contrefaits comme non contrefaits, d'exporter ensuite vers l'Europe et d'exporter ensuite vers l'Afrique. Et donc, comme nous sommes des optimistes convaincus, si le président Tebboune vient en France dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, que nous souhaitons tous, mais c'est précisément d'évoquer ces grands enjeux et de nous dire, dans une Méditerranée où les conflits ne font que s'exacerber un peu plus et où une puissance comme la Chine tranquillement est en train de prendre le contrôle de tous les flux, est-ce qu'il n'est pas trop tard quand même pour que nos deux pays prennent en main au moins ce qui se passe en Méditerranée occidentale? Encore faut-il qu'il y ait une volonté des deux côtés, notamment du côté algérien. Pour conclure et rester sur une note pessimiste, quels sont, je m'appuie et je sollicite surtout votre connaissance pragmatique de la réalité. Quels sont les leviers possibles pour rester dans une forme d'optimisme, parce que vraiment tous les facteurs vont dans le sens contraire? On a deux trois leviers formidables. D'abord, qui sont les jeunes, on en a parlé. Tous ceux que j'ai rencontrés, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'être dans un pays où il y a la paix, où il y a un état de droit, où il y a du travail, où il y a un système éducatif, où il y a un système de santé. Et malheureusement, comme c'est de moins en moins le cas, quand je parle avec mes amis algériens, ils me disent tous, rares sont les familles où il n'y a pas déjà un fils ou une fille qui souhaite partir. Ça, c'est quand même le problème le plus grave pour l'Algérie, parce que, évidemment, nos amis algériens préfèrent vivre dans leur pays, c'est évident. Donc, on a la chance d'avoir ces jeunes, et je pense notamment à toutes ces jeunes filles qui vraiment ont une capacité d'émancipation extrêmement forte. Donc, il faut déjà travailler sur l'échiquier de la société civile, entre universitaires, ce qui existe déjà, mais ça on peut le développer, entre entreprises, et pour que les entreprises françaises, allemandes ou autres viennent en Algérie, encore faut-il que l'environnement administratif s'y prête. Bon, pour l'instant, c'est pas encore franchement le cas. Il faut bien voir que sur le plan économique, pour l'Algérie, il y a deux modèles en fait qui sont en concurrence. Il y a le modèle chinois qui joue un modèle low cost, de contrefaçon, et de gagner des appels d'offres par de bas prix. La Chine a gagné quelques 50 milliards de dollars ces 30 dernières années d'appels d'offres pour construire des autoroutes, des bâtiments. Donc j'ai pu voir en circulant en Algérie que la qualité est quand même relativement douteuse.
Et puis vous avez le modèle européen et notamment français, et c'est tous les projets qu'on a cherché à monter nous, où il y a à la fois du co-investissement, il y a de la co-innovation, de la formation, de la maintenance et des relations entre des universités et des entreprises pour créer des écosystèmes dans les différents territoires. Et le but aussi, c'est que tous les Algériens que j'ai rencontrés souhaitent travailler dans cette perspective. C'est ça qui est formidable. Jean-Louis Levé, je rappelle le titre de votre livre, Le mal algérien. Je recommande, co-écrit avec Paul Toulila. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir donné les clés de lecture de cette Algérie tant aimée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.